where she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Vraiment, c'est même, y a rien à dire, c'est la meilleure équipe du championnat de France, voilà, qui est venue s'installer dans le championnat, comme d'habitude, sans problème, avec Neymar qui a ses problèmes, et qui joue, il force même, il est même pas à 100%, hein. Pensez pas que là, il est, vous allez pas me dire, il est à 100%, il a joué, il a fait son match, il est pas à 100%, là il a joué, il courait vite et tout, mais il était pas à 100%, là. Neymar, il se baladait tranquille, et même sans... Bon, alors s'il y avait Mbappé, c'est pas la peine. Là, c'est sûr, on allait prendre un 4-0, 5-0, 6-0. Là, c'est genre, limite, on fait... Il n'y a rien à dire. Limite, je dis le mot. Hein, limite, Lyon, c'est... Ils font les tapettes, c'est-à-dire ils ont peur. Ils sont là comme ça, ils regardent Paris comme ça. Ils jouent pas, ils foncent pas, ils vont même pas au duel. On dirait que c'est un match de Ligue 2. C'est n'importe quoi. Ça sert à rien à dire. Là, franchement, je sais même plus quoi dire. C'est limite, ils veulent pas jouer. Ils sont là, ils regardent Paris, ils veulent jouer le match. Mais c'est pas ça, il faut rentrer dedans. Il faut aller. D'habitude, Lyon, quand on les voit, ils ont faim. La dernière fois que je suis allé au stade pour voir Paris-Lyon, ils avaient faim et tout. Ils fonçaient tout. Ils étaient excités. Ils avaient gagné le match, même le match, il était même pas fini qu'ils étaient à fond. Là, non, les mecs, ils sont là, ils regardent comme des pingouins, ils sont là. On joue la défense et tout, on joue pas, je sais pas ce qu'il fait. Neymar, il s'amuse, il fait des petits passements de jambes. L'autre, il joue tranquille. Alors, la chance, ce qu'on a eu, que les Lyonnais, ils ont la chance qu'il y a eu, c'est qu'il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Cavani. Parce que s'il y avait tous les tueurs, là, c'est bon, là, c'était terminé. Non, mais c'est un match pourri. Moi, je vous laisse regarder. Le résumé du match, il n'y a même pas eu de but. C'est énervant, les Lyonnais, c'est limite, ils sont là, ils les attendent. Ils attendent que ça frappe, c'est comme si... C'est comme un enfant qui attend de prendre sa fessée. L'enfant, il est là, il attend, il a fait sa bêtise, alors il attend sa fessée. Après, on prend la chicotte, on le tape dessus. Fruc, fruc, pa. Et bien, c'est ça. Et bien, ça, c'est pareil. Ils attendaient qu'on les frappe, qu'on leur mette un 6-0, c'est ça, ils attendaient. Ils forçaient et tout, ils jouaient et tout, au taquet et tout. Non, des maïs qui sont là comme ça. Ils attendent d'être mangés. C'est ça, hein, moi c'est ce que j'ai vu là. C'est même pas un match. Je pensais qu'ils allaient jouer, qu'ils allaient un peu mettre le charbon et tout. Non, rien. Ils étaient là, des petits maïs qui attendent comme ça, d'être mangés. Ils attendaient comme ça, tranquille. À un moment donné, j'ai pensé qu'ils allaient un peu mettre le... Non, même pas. Ils ont forcé un petit peu, mais après, ils ont dit, non, c'est bon. On va pas prendre de risque, parce que sinon, on se prend un contre. Et puis, voilà, il y a eu juste quelques frappes. Un peu, on va y croire qu'ils vont gagner à la dernière minute 1-0, un comme ça, même pas. Le match n'est même pas fini. Là, je vous parle, le match n'est même pas fini. Il n'y a pas de but. Il n'y a que des cartons jaunes, c'est tout. Je regardais un peu le match n'est pas fini là, comme vous voyez derrière, mais là le match n'est pas fini. Mais moi, pour moi c'est bon, là c'est fini. Moi, je dis la vérité, franchement, ce match là, c'est un match d'entraînement, c'est même pas un match officiel, ça c'est un match d'entraînement. C'est les Parisiens, ils s'entraînent. Mais franchement, moi, je dis pour Paris, c'est pas le championnat, c'est nul pour Paris. Laisse tomber, ils vont s'installer dans la première place, ils mettent un fauteuil, tranquille, s'installent, il n'y a pas de souci. Le plus important pour Paris, c'est la Ligue des Champions. Mais comme toutes les années, ils vont peut-être sortir de leur poule, ils vont finir premier ou deuxième, je ne sais pas. Ils vont sortir des poules et après, voilà, ce qui va se passer, c'est que Paris va se faire sortir par une grosse équipe, un truc comme ça. Mais bon, avec l'histoire Neymar et tout, moi je pense pas que Paris va... Mais peut-être ils vont gagner la dernière Coupe de la Ligue, parce qu'ils vont se mettre à fond. La Coupe de la Ligue et la Coupe de France, l'année dernière, ils ont manqué de Coupe. Hein. Je vous rappelle que c'était, je crois que c'est Rennes qui avait gagné, je sais plus enfin. Mais ils ont manqué de Coupe, ils ont eu le championnat, et je pense que la Coupe de France, voilà. Mais là, cette année, la Ligue des Champions, c'est l'objectif. Si j'étais président de Paris, on s'en fout du championnat. Il peut même finir deuxième, c'est pas le problème, le championnat. Tu peux laisser les championnats aux autres. Même tu mets même pas Mbappé, Cavani, tout ça, tu ne les mets pas. Tu mets chacun son tour. Un coup, tu mets Mbappé tout seul. Un coup, tu mets Cavani tout seul. Tu mets pas tout le monde, comme ça, tout le monde ne se blesse pas. Parce que là, tu joues contre des pingouins tous les week-ends et encore. Des fois, ils arrivent à faire des matchs une Paris contre des équipes qui ne jouent même pas et qui sont là, ils jouent la défense. Il y a des équipes dans le championnat de France, franchement, que deux fois, ils jouent.
comme Strasbourg, des fois ils jouent, ils sont là pour battre Paris. Les équipes, ils ont vraiment l'envie. Et les équipes, c'est là pour aller voir un match et dormir, ça. Un match, c'est pas cinéma, c'est pas au cinéma que tu vas. Moi, je comprends pas, tu vas pas au cinéma. Tu vas voir un match, tu vas voir l'ambiance, il y a des buts de chaque côté, ça se bat et tout. Là, il n'y a pas de duel, il n'y a rien, c'est nul. Franchement, la Lyon, c'est même pas. Je sais même pas pourquoi ils appellent ça l'équipe Lyon, je sais même pas pourquoi ça s'appelle Lyon. Même la ville, tout ça me dépasse. Cette équipe, elle doit même pas s'appeler Lyon. Elle doit s'appeler les nuls, les nuls. C'est tout, les nuls, ils servent à rien, c'est tout. Je sais même pas quels. On doit les appeler les pingouins, ouais. Les pingouins. C'est même pas des Lyonnais, c'est des pingouins. Ils sont là, ils jouent. On dirait qu'ils sont touristes. Pourtant, ils sont chez eux. Hein. Lyon est chez eux, mais non, on regarde et tout, tranquille. Ils jouent pas. C'est normal que si vous jouez pas, les Parisiens, ils essayent de faire les choses. Mais même, ils étaient même pas à fond. Pour moi, comme j'ai vu le match, ils étaient même pas à fond, les Parisiens. C'est le match même qu'ils ont joué contre les Real. Je dirais même que là, ils étaient à fond. On va dire, pour moi, ça va. Là, ils ont joué avec Di Maria, tout ça, etc. Mais là, pour moi, ils étaient pas à fond. Hein. J'ai vu qu'ils ont joué, mais ils s'en foutaient. Même le match nul, c'est pas grave. Mais c'est la Ligue des Champions que Paris doit donner tout. Là, c'était un match. Ça, c'est un match d'entraînement, ça. C'est pas. C'est les moins de 15, c'est les U15 contre l'équipe première de Paris. Un truc comme. Et encore, je dis ça. C'est des conneries que je dis. On va dire les U15 contre une équipe de moins de 20, je sais pas quelle équipe, les moins de 20 de Paris contre les U15 de Lyon, un truc comme ça, hein, ou les U19, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais ça, c'est un match d'entraînement, c'est pas un match. Hein. Les gens, ils sont là et. Non, mais ils jouent même pas, ils ont. Voilà. Alors que je vous parle, voilà, ils ont rien de marqué par exemple. Voilà, bah, ils font un match d'entraînement, ils ont marqué, voilà, c'est réglé. Là, je regardais même plus le match, tellement ça m'a dépassé. Regardez, il y a 1-0 pour Paris. Je regardais tout à l'heure le match, mais là ça m'a dépassé. Ils jouent pas Lyon. J'ai vu que si Lyon ne joue pas, ils forcent pas, ils sont là, ils jouent en défense, ils sont là. Tu le vois, l'autre il est avec sa main, il dit vas-y, mets-toi là-bas. Comme si avec ses mains, Paris n'allait pas passer. Mais même si tu mets tes mains comme ça, ils vont passer. Hein, Neymar et tout, ça passe. Je sais même pas c'est qui a marqué. Je regarde même pas. Voilà, Paris, ils ont gagné 1-0, le match est fini, hein, voilà, ça leur suffit, 1-0, c'est suffisant, hein, franchement, voilà. D'ailleurs, je vais vous laisser regarder le résumé du match, et puis voilà. Moi, je suis dépassé, ça, c'est un match nul, c'est nul. Heureusement que je ne suis pas allé au stade, heureusement, parce que j'allais aller au stade, mais mes amis qui sont allés au stade, bien, bon courage même pour eux, je sais que, de toute façon, moi, je savais que, moi, franchement, je vous dis la vérité, j'irai peut-être faire ma prochaine vidéo dans le stade, de Lyon pour le match Marseille-Lyon, parce que c'est pour moi, c'est mon derby Marseille-Lyon. Voilà. Ici, les Lyonnais, c'est leur derby, c'est Saint-Etienne contre Lyon. Moi, mon derby, c'est Marseille. J'aime bien quand il y a Marseille-Lyon. La dernière fois, il y a longtemps, il y avait un 5-5, je sais pas si vous avez rappelé, il y avait 5-5 entre Lyon et Marseille. Et ça, c'est un match que je kiffe. Marseille-Lyon, ça, je kiffe ce match. Ça, c'est les deux qui sont les concurrents à la deuxième place, troisième place, qui se battent. Et ça, c'est des matchs intéressants. Après, le match Lyon-Saint-Etienne, ça, c'est pas mon match. Ça, c'est un match, ils vont mettre toute leur puissance, là, comme par hasard, à Lyon. Là, c'est là qu'ils sont les plus forts. Pour aller battre Saint-Etienne, ils sont les plus forts. Mais pour aller jouer contre Paris, là, il n'y a plus personne. Tout le monde s'en va et tout. Il n'y a même personne qui joue. Ils sont là, ils ont la défense, ils sont là. Reste là, allez, mets-toi là-bas. Va charger lui. Paris, c'est pas. Et là, ils ont pas forcé, ils ont joué tranquille. Voilà. Face à des plots, c'est bon, tu fais ton entraînement, ton opposition tranquille. Voilà, ils ont gagné. Là, ils vont retourner à Paris, tranquille. Tout se passe bien. Bon, bon, ils jouent. Ah, c'est ça. Vu qu'ils ont leur histoire, Paris, ils vont faire un petit match, ils vont gagner, puis voilà. Ça a pas manqué. Ils ont gagné Paris, puis voilà. Bon, je vous retrouve. Voilà, je parlais, j'ai raté le but. Et devinez ce qui a marqué. Ça, et le gars, tu peux jouer tout seul, hein, c'est mieux. Ouais, il peut jouer tout seul. C'est mieux, hein, puisqu'il se balade tous les joueurs. Bon, il y a juste deux, trois joueurs qui font deux petites passes. Puis il marque. Hein, il joue tout seul, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Même quand il a les problèmes et tout, on l'insulte et tout. On lui fait deux petites passes et tout, deux touches de balle, après il marque tranquillement.
En plus, comme pour dire, il n'est pas à fond, il n'est pas à 100%, mais il n'est pas à 100%. Il a marqué, comme le dernier match qu'il avait fait, il a marqué vers les dernières minutes. Et bien là, c'est pareil. Même contre Lyon, il joue après les dernières minutes à Neymar. Comme pour dire, Neymar, il n'est même pas à 100%. Il n'est pas à 100% contre Lyon. Non, non, il était tranquille. Il a marqué, c'est normal. Non, c'est énervant. Non, c'est même pas Lyon. C'est pas des Lyonnais, ils sont nuls. Franchement, ceux qui vont voir le match, là, qui payent cher, là, qui vont voir les matchs de Lyon, franchement, là, vous avez le courage. Hein, parce que c'est voir des joueurs qui sont pas motivés, ils ont même pas envie, tu mets tout ton argent pour voir ça, ça sert à rien. Moi, je préfère rester à la maison. Là, on discute, je parle entre moi et vous, entre mes youtubeurs et tout ça, entre mes abonnés, je parle entre toi et moi, ceux qui me regardent, c'est que je préfère ça qu'aller au stade là-bas tranquillement, tu payes cher, et en plus, tu es là, tu gueules, les gens ils forcent même pas, ils font rien. Et toi t'es là, tu souffres pour crier, même le lendemain tu vas au travail, t'as même plus de voix tellement t'as crié. Mais voilà, pour rien. C'est mieux de rester là, je regarde le match à la maison, c'est beaucoup plus mieux. Je crois que moi, bon après je vais voir le match de Lyon-Marseille, puisque voilà, j'ai envie de voir, je n'ai jamais vu un de match de Lyon-Marseille. Mais je pense que ça sera juste pour la troisième place, la deuxième place, un truc comme ça, je pense. Je ne sais pas vraiment. Mais c'est pas la première place, ça, c'est fini, ça c'est fini. Là maintenant c'est terminé, on a décroché. Paris s'installe tranquillement dans sa place. Tranquillement, il y a le tapis rouge, ils sont bien dans le fauteuil et ils vont rester toute la saison tranquillement en faisant des petits buts à la dernière minute. Voilà, et avoir 5 ou 10 points d'avance, doucement, il n'y a personne qui va les embêter, pareil. Personne, il n'y aura que des petits matchs nuls et tout ça, mais ils vont rester. Maintenant, ça y est, à partir de ce match là que je viens de voir, là, c'est fini. Paris est installé à cette. Pour moi, hein, ils sont installés à la première place et je ne les vois pas quitter cette place trop facilement. Maintenant c'est la deuxième place comme tous les années, hein, ça change pas, hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est la deuxième place ou la troisième place pour Lyon, ou peut-être la quatrième place, peut-être même la cinquième place. S'ils sont cinquième, c'est bien pour eux, puisque c'est ce qu'ils veulent apparemment, là, vu comme ils jouent, c'est ce qu'ils veulent, cinquième ou quatrième peut-être. Et moi je dis, Ligue des Champions, il faut vite retourner sur terre et aller en Coupe de l'UEFA, c'est beaucoup plus mieux pour Lyon, parce que là, ça sert à rien. Si c'est pour jouer comme ça sert à rien. Je sais pas ce qu'ils ont, moi en tout cas. Moi, ça m'intéresse pas, mais je préfère rester à la maison, regarder les matchs tranquilles, regarder un film par exemple, c'est mieux. Bon, ben, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Là, moi, je suis dépassé, là. J'ai vu le but de Neymar, là, ça m'a... Là, je sais plus quoi dire, là. Je reste à ça, hein. De toute façon, j'ai l'habitude. Bon, ben, salut les amis, moi, ça me dépasse. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.